Ça y est, c'est mieux. Effectivement, il a progressé au niveau de son attitude Special Force. Et c'est parti pour cette saison 2023. Bon départ à l'intérieur, donc pour The Gypsy King. On retrouve également Special Force qui est bien parti. Ben, ça passe en troisième position. Kraken, quatrième sur les barres. Ça mène Kalis Champ qui va trouver les barres devant Chestnut Cove. Et en retrait, on retrouve Bypass et Alvinio Roy à bord du Tombeau à l'Arctique avec donc The Gypsy King qui dirige les opérations. Sous la montre de Swapnil Rama, il compte une longueur d'avance environ sur Bells Apostle. Special Force se mettre un petit peu la pression en descente maintenant. Bells Apostle est troisième. Kraken qui donne l'impression de tirer un peu en 4 à 5e position. Chestnut Cove s'est rapproché à son extérieur. Ensuite, un peu sous la cravache, ça mène Kalis Champ et Bypass qui suit pour l'instant les grandes manœuvres. Environ 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Les chevaux seront dans quelques foulées à la rue du gouvernement sous l'impulsion toujours de The Gypsy King devant Special Force qui n'est pas mal en deuxième position. Chestnut Cove, attention à lui qui progresse à l'extérieur. Bells Apostle, Kraken démarre de loin en 3-4e épaisseur. Bypass va le suivre et on retrouve Kalis Champ à l'arrière à l'entame du dernier virage avec The Gypsy King sous la menace de Kraken à l'extérieur. Lancé maintenant par Yanish Takar. On retrouve Chestnut Cove également dans le coup. Special Force à l'intérieur. The Gypsy King avec Chestnut Cove. Kraken en dehors. The Gypsy King, Special Force. Attention à l'intérieur est aussi là. Mais The Gypsy King s'accroche pour l'instant face à Special Force. The Gypsy King, Special Force. The Gypsy King, le premier gagnant. Le 4 monté par Swapnil Rama pour l'écurie Rabana. The Gypsy King.